Je ne vais pas faire un discours aujourd'hui parce que je pense que, que tous les, toutes les personnes qui ont été choisies pour le panel pour la cérémonie d'ouverture, ont tellement de choses à dire, ont à dire des choses tellement importantes. Et quand je vois les autres personnes aussi engagées, et je pense que ce n'est pas nécessaire pour moi de faire un, un discours, permettez-moi de parler avec mon cœur. C'est la seconde édition de l'Africa Energy Week organisé par un jeune homme, complètement engagé dans les thématiques énergétiques. Et ça, travaillons pour l'Afrique, travaillons pour l'Afrique, pour l'énergie. Et ce jour, nous avons cette conférence ici, dans le continent africain. Moi je pense que c'est le moment qu'il est temps de parler des discours, comme l'a dit le monsieur le secrétaire général de la Pau, et d'aller vers un plan global pour l'Afrique, pour résoudre les problèmes énergétiques en Afrique. Nous aurons d'ici là la COP27 et l'Afrique doit être le point de départ pour avoir un plan énergétique africain et c'est important d'avoir un, une voix africaine, une seule voix et pour dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous souhaiterions pour nos populations en utilisant nos chercheurs et nos ressources, et spécialement dans le domaine de l'huile et du gaz, ça n'a pas de sens. Je pense, tout le monde est en train de dire la même chose. Ça n'a pas de sens d'avoir autant de chercheurs dans le domaine de l'huile et du gaz et d'exporter ces ressources et justement... Que cela ne sert qu'à développer les pays à l'étranger et que nous sommes en train de voir les mêmes valeurs 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Ça n'a pas de sens d'avoir autant de gaz à disposition. Chaque jour, nous sommes en train de découvrir des pays qui ont des ressources gazières. Et je pense que le dernier pays qui a découvert cela, c'était la il y avait le Sénégal, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Et ayant de telles potentialités en gaz, et avoir. La... Nous sommes toujours en train de dire que nous avons 900 millions de personnes qui n'ont pas accès euh, au gaz euh, de cuisson. Il est important de faire un progrès de façon à pouvoir affronter la sécurité énergétique et de réellement trouver une solution à ce problème de pauvreté énergétique. Et je pense, j'espère que cette conférence permettra de mettre en place un nouveau paradigme et j'espère que au cours des panels, nous verrons beaucoup plus de choses, nous dirons des choses différentes nous dirons des choses proactives mais nous dirons des choses qui permettront d'aller de l'avant et mettre en place un plan d'action pour l'Afrique mais mais, le, mais il est clair que lorsqu'on voit l'audience de cette conférence nous sommes dans une bonne voie je pense que nous sommes dans un bon progrès et nous devons féliciter premièrement et encore une nouvelle fois la F Chambre africaine de l'énergie et spécialement NGIUC. Je voudrais aussi euh, féliciter toutes les sociétés qui ont décidé d'être ici avec nous. Je voudrais aussi féliciter tous les ministres qui ont décidé d'être là et, et qui montrent que c'est un... C'est un challenge au commun, ce n'est pas un problème du secteur privé, ce n'est pas un problème gouvernemental, mais c'est un problème commun. Et les, les ministres qui sont ici et moi qui suis ici, et je suis là pour montrer que nous sommes tous engagés par euh, cette thématique. Et nous sommes aussi, il y a certains pays membres de l'OPEP ici. Et. L'Afrique joue un rôle clé dans les dynamiques des pétrolières. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Congo est en charge de la présidence de la conférence ministérielle de l'OPEP. L'année passée, c'était l'Angola l'année précédente, c'était l'Algérie et l'année prochaine, ce sera la, la Guinée équatoriale. Et vous savez ce qui s'est passé il y a deux semaines de cela. Nous avons pris une grosse décision et qui a justement créé des troubles tout le long du marché. Hein, que nous avons décidé de couper de, de façon significative la production. Ce n'est pas une décision politique, mais c'est une décision scientifique. Le, le but de l'OPEP... Et de stabiliser les marchés, de le faire d'une la meilleure façon et pour le long terme. Et vous savez, au cours de la conférence de presse, j'ai eu à dire que l'Afrique, et je pense que vous serez d'accord avec moi, et spécialement la peau, et l'APO soutient totalement ce que fait l'OPEC. Et aujourd'hui, nous dirons des choses et qui vous montreront qu'entre l'APO, entre le continent africain et l'OPEC, il n'y a pas de différence de point de vue en termes de vision pour l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention.